Bonsoir. Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. Merde, c'est elle! C'est elle! Livrer la fille dès qu'on sera à Greenwood. Les forces spéciales veulent lui parler. Je sais pas ce qu'elle a fait exactement, mais on dirait que c'est vraiment du sérieux. Ils ont appelé l'armée juste pour elle. La prochaine fois qu'ils vont choper une fille, ils vont s'adresser à nous. C'est clair. Bon, écoute, je vais aller vérifier l'heure d'arrivée. Tu quittes pas cette porte, ok? N'en fais pas, elle va pas s'envoler. Amène-le dans un autre compartiment. Aiden. Avant qu'ils reviennent. Passez par l'autre côté!
quelque chose ! On a besoin de lumière par ici, j'y vois que dalle ! Soir. Une unité des forces spéciales avance dans votre direction. Ils prendront la fugitive en charge à partir de là. Bien reçu. Ils seront bientôt là, chérie. La balade t'a plu, j'espère. Tu dois me faire sortir d'ici.
chose, Aiden. Tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Je peux avoir un gâteau? C'est bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. Jody? Où est-ce que tu vas? Nulle part, je voulais juste... regarder dehors.
Non, Aiden. Oh. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. Allô? Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça! S'il te plaît, Jody, je suis occupée. Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter... Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Mon cœur. Hé, mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Je t'appellerai pour le dîner. Bon, d'accord.
Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Aiden? Toi, t'as jamais froid. Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient. Maman ne saura même pas. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Aiden. Jody, tu veux jouer avec nous? Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir! Je t'ai eu! Hé, ça c'est de la triche! Aouh! D'accord, je me rends, ça suffit, j'attends ta vie! Il est par là! On y va, allez, on va le choper! Ah. Allez, vas-y, lance-la! Aïe! On y va, allez! Il est là-bas, derrière! Maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Philippe. Je lui ai rien fait du tout. C'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre. Il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jody, non, celle-là, non, tu n'auras pas volé. Philippe, non! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? Bonne nuit. Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. Sois pas si dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille.
tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est un monstre. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous? Ne sois pas ridicule, voyons. Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça. T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden. On va tous les deux s'endormir. Il va rien nous arriver de mal. Jodie, debout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Habille-toi. Je t'expliquerai dans la voiture. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre côté, l'inframonde. Ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage? Vers le monde d'Aiden? Il y a eu un problème hier soir. Des entités sont passées par la faille et on n'a pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'en est revenue. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. Allez-y. Jodie, si tu n'es pas d'accord, il suffit de dire. Je te ramène. Ça va aller. Je vais le faire.
Attends, attends! C'est de la folie! Tu peux pas l'envoyer à l'intérieur! T'es devenu dingue! Essaie de comprendre. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre! On a des infos sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est une fille? Quelque chose? Désolé, je peux pas vous laisser passer. C'est une fille! Laissez-la. Oh, désolé. C'est un cauchemar! J'arrête pas de penser que je vais me réveiller! Qu'est-ce qu'il fait? Il a tué tout le monde! Ça va s'arranger! Qu'est-ce que ça peut être? À quoi il ressemble? Il y a des trucs qui ne disent pas. Avec de tels niveaux, personne ne peut se faire. Il faut qu'on y aille! Comment on pourrait se faire? Rien n'est à l'intérieur! C'est passé là-dedans! C'est un véritable. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu lire. Je dis. Les entités autour de la faille ne sont pas comme Aiden. Elles viennent du plus profond de l'au-delà, on ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. C'est bon. T'en fais pas, je compte pas mourir aujourd'hui. Je sais pas pour toi, Aiden. Mais moi, j'ai peur. J'ai coincé. Essaie de trouver une solution, Aiden.
essaie d'ouvrir depuis l'autre côté. Je le sens, moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok? Thank you.
faut un extincteur. Il doit bien y en avoir un quelque part. Trouve-le, Aiden. Les entités, elles ont envahi le laboratoire. Des créatures de l'au-delà. J'ai réussi à me cacher, mais elles sont encore là. Je sais qu'elles sont là. Essayez d'atteindre le mont de charge. Il fonctionne bien maintenant. Vous devriez pouvoir sortir. Vous restez ici? Mais ces choses vont vous tuer. Je ne suis pas seule. Et toujours seule face à la mort. Crève!
Le condenseur est proche. J'arrive à sentir l'écho de l'autre côté. Il suffit d'y aller tout doucement. On peut peut-être passer sans se faire repérer. Il me faut un passe. Et merde.
Eden, est-ce que t'es là? Jodie. Oh, je n'aurais jamais dû t'envoyer là-dedans, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Bon sang, j'ai tellement eu peur de t'avoir perdu. Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage, il ne restera plus rien.